vous connaissez que la date de départ premier et décret sur l'urgence sanitaire, qui est le 19 mars 2021, là, nous avons seulement gagné 2 cas. Jeudi à là, nous déjà arrivé à 734 cas sous seulement 2352 cas suspects. Donc ça veut dire que nous avons acheminé, ouais par ouais, vers le pic des cas. Donc c'est en ce sens-là, le gouvernement eh bien, renouvelé pour 2 mois eh bien, état d'urgence sanitaire sous pays. Maintenant, question retour à l'école là, lui-même lui poser. Pendant que nous avons géré COVID-19, pendant que nous avons géré tout problème de prévention, sensibilisation, obligation, il faut qu'on prévoie tout le retour à la vie, le retour à l'école. J'aime te dire tout récemment, dans l'occasion journée nationale enseignant. Cependant, la politique pour retourner à l'école là, il y a deux principes qui guident nous, qui guident le gouvernement nous, et généralement. C'est être nécessaire aux élèves pour consolider l'apprentissage et progresser, et puis assurer la sécurité personnelle de l'école et des élèves. Le retour à l'école là, lui-même qui est nécessaire, il est capable de faire de manière progressive, encadrée et sous base libre choix, tout partenaire éducation. Maintenant, pour nous aider, pour nous capable répondre directement à la question que vous posez, oui, nous obligés de valider l'année académique 2019-2020 avant pour nous déboucher sur l'année académique 2020-2021. Maintenant, comment nous allons consolider, puisque vous sortez là, tout le monde entendait le tout, l'état d'urgence sanitaire a renouvelé pour 2 autres mois. On nous dit que, et avec question pays, pour tout ce qu'on est politique, on a pays, donc pile l'école qui partait de travail après septembre, qui devait nous reprendre le travail soit en décembre ou en janvier. Mais calcul nous fait un moyen, gagner l'école qui était déjà de travail pendant 70 jours de classe seulement. Or, nous faisons calcul en tant que professionnels d'éducation, nous connaissons, nous avons besoin de 140 à 140 jours de classe, mais nous disons une année exceptionnelle, une année spéciale dans le coin de ça, nous sommes capables de faire un 120 jours de classe. Étant donné que nous avons déjà fait 70 jours de classe en moyenne, avec des questions pays là, je dis à l'innécessaire pour nous être capables de gagner 50 jours de classe en présentiel, malgré toute l'autre école qui est capable de faire des cours en ligne, qui travaillent en ligne. Même j'avais nous-mêmes tout qui m'était campé aux plateformes numériques. Mais ce n'est pas tout le monde qui touche mal. Donc logiquement, il faut que l'école-là passe 50 jours de travail en vote pour nous être capable de clôturer l'année, pour nous dire pour nous être capable de sauvegarder l'année, valider l'année. Maintenant, c'est notre sens ça. Immédiatement après que le gouvernement, nous avons déjà travaillé sur le paquet de scénario. Mais une fois que le gouvernement finit renouveler l'état d'urgence pour 2 autres mois, eh bien, nous venons camper sur 2 scénarios seulement. Nous avons 2 plans que nous commençons à discuter depuis hier là avec toute partie éducation. Hier, nous avons gagné avec nous en visioconférence et en association directeur école qui est le côté, qui est collectif directeur école. Et nous pouvons tout rencontrer en plus de notre secteur, dans le syndicat, association parents et la crier pour nous discuter de nous. Mais premier rencontre nous fait a dit que bagaille a bien passé dans le monde éducation. Qui de plan pour nous capables et consolider l'année l'école là. Nous dit plan A qui s'allie, nous avons l'école qui a ouvert de manière progressive. Et pendant la pré-condition générale pour l'ouverture de l'école avec l'établissement scolaire, quand on a question cadre sanitaire et toutes questions autour, et on dit et continuité pédagogique, ou bien respect et tout principe. Donc, au chapeau de distanciation sociale pour distanciation physique, il a crié. Donc, tout bagaille qui concernait les conseils, le ministère de la Santé publique, bah, maintenant, longtemps ça, nous dit, nous sommes capables de prévoir. Comme nous dit, nous allons acheter vers le pic des cas de maladie. On a pas d'évolution, nous dit, premier plan de guerre, l'école-là est capable de reprendre le 3 août pour finir le 30 septembre. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, il a permis nous faire 50 jours de cours, 50 jours de classe pour nous finir avec l'année qui a commencé. Et dans ce sens-là, nous avons obligé de faire examen de vieille année, pas de manière ordinaire, genre de grande fête là, mais de manière exceptionnelle. Tout. Mais ce ministère a toujours fait examen, a toujours fait toute supervision, etc. Mais, franchement, si nos zones d'Elma, ou bien dans la zone d'Elma, par exemple,
gen trois écoles qui gen bon genre standard qui font à toute norme yo et bien nous choisi trois écoles ça et puis toute école dans zone là yo même yo vin la dan donc on fait examen par regroupement d'écoles donc il était capable faire du 5 au 9 octobre pour le gain année fondamentale là et laisse à tout et laisse à tout nous pas créer un baccalauréat une seule session pas capable créer une session extraordinaire là là mais ça peut être l'autre conciliation qu'à prendre. Et tant que nous avons débuté l'année académique, la date 9 novembre. Mais tout ça, ça dépend de gens qui ont évolué. Est-ce qu'il n'y a pas évolué dans le sens négatif ou dans le sens positif? Maintenant, plan B à qui s'allier, si toutefois, 3 août là, pas possible, nous avons un retour à l'école le 3 septembre pour nous clôturer le 30 octobre avec les classes même qui ont fait examen. Tant qu'on est mis 16 et puis à 9e année, premier pour 5 novembre, et puis bac la même du 16 au 21 novembre. Et on reprise de la nouvelle année académique le 7 décembre pour nous capables de commencer avec elle. Et pendant ce temps, nous avons déjà travaillé, nous avons pays local, sous sa un programme à compétences minimales. Je dis, face à la réalité COVID-19 là, eh bien, nous quittons tomber. Nous allons j'ai quitté tomber programme à compétence minimale là, pour nous mettre plutôt, et nous devons faire déjà, un programme minimal. Mais le problème qu'a fait Benio, qui dit qu'il a gagné, un programme à compétence minimale et un programme minimal. Programme, nous, et le programme à compétence minimale là, c'est un programme qui respectait tout chapitre qui est pour elle. Seulement, il mettait de côté les détails. Pour seulement chita sur les idées essentielles. Tandis que le programme minimal lui-même, non seulement il y a chita sur l'essentiel, mais il y a retiré le chapitre tout. Il y a des chapitres qui n'ont pas tellement besoin comme prérequis pour la supérieure, qui sont capables de venir loin dans le cours de mise à niveau dans la supérieure. C'est là où, jusqu'à présent, nous avons deux plans, je vais me présenter l'IA, pour le retour des élèves à l'école. Mais j'aime tout là, c'est un bagage qui dépend tout. De tout partenaire éducation, et que j'aime de dire là, c'est choix partenaire éducation, tant que parents, parce que là, on dit l'école là. Donc, danger pas seulement dans l'école là, en personnel, l'école là, et l'autre monde, et élève, okay. Mais tu m'as sorti nos familles, il a sorti nos cailles. Monsieur le ministre. Pour ce oui. Monsieur le ministre, mettez-moi à la terre pour nous comprendre. Et. État juge, j'ai écouté le 19 mars. Les renouvelés, jusqu'au 20 juillet, nous sommes été à la belle chaleur, gros causé, et mon classe fait chaud. Maintenant, ça vous me comprenez là, petite mère, l'année ça, à peine des années, ou bien n'a pas des dispositions pour nous faire passer et faire tout le monde passer en classe supérieure, en attendant que nous rééchelonnions ce prochaine année académique là, et tout cours à reprendre, et une programmation adaptée, s'il le faut qu'il dure plus de jours, pour nous compenser, pour nous faire plus simple. Merci, on dit Blandel. Nous sommes clairement, nous sommes sortis là, nous clairement fait comprendre que l'année a perdu, l'année a de sauvegarder, et nous venons avec deux plans. De son cadre pour aller académique là. Ça veut dire tout le monde a monté en classe supérieure? Tout le monde passe? Non, on n'a pas fait ça. Ça veut dire? Non, ça veut dire que nous avons un plan. Tout le monde dit que nous avons fait 70 jours en moyenne déjà à l'école. Je dis qu'on a besoin de 50 jours en moyenne pour cours présentiel, pour capable de consolider ou bien valider l'année pour tout le monde avec l'année pour aller en classe supérieure. Et quand on a gagné dans l'enquête, on a dit, on pense que un monde qui compte système éducatif haïtien très bien, un monde qui a deux systèmes, non, il n'y a pas besoin de venir avec ça aujourd'hui comme proposition pour demander pour tout le monde passer de manière automatique. Parce que nous connaissons qui j'ai une école héros ici comme il a dit. Jusqu'à présent, on n'a pas taille pour ça, nous avons un paquet d'écoles. Et il y a des gens qui ont l'école à deux vitesses, mais il y a beaucoup plus de vitesses dans l'école. Donc il y a des écoles qui est vraiment, mais c'est environ 20% qui a été comme ça, mais on n'a pas fait gros temps à ce système éducatif haïtien. Qui déjà des problèmes là-dedans, si on t'a venu avec promotion automatique. Parce que quand tu nous même, c'est un repêchage qui est obligé de arriver dans la classe supérieure, mais pour aller nous prendre ça qui est dans la classe, qui n'est pas même doué de arriver là-dedans, l'arriver par une raison de développement, pour aller dans la classe encore. Donc il est vrai que nous-mêmes personnellement,
nous avons six plans de prendre cap en application à partir de l'année prochaine et à l'année académique 2020-2021, mais il concerne seulement si mon pitié, si mon trois premières années fondamentales, côté comme ça se fait dans pile pays dans le monde, pour tout le monde, ça y est, même qui est dans le stade de socialisation seulement à l'école. Et c'est là, nous dit que pour trois premières années, école fondamentale, c'est promotion automatique à partir de l'an prochain. Mais à l'état, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons fait promotion automatique pour tout le monde. Tout est bien. Et il y a des éducateurs qui ont dit, malheureusement, finalité de l'école noire, c'est bloqué, c'est pas passé. C'est passé dans ta mi. Au lieu d'assurer nous que tout le monde a un certain niveau de compétence et que il y a un encadrement nécessaire pour que même si nous avons plus de difficultés à faire des progrès académiques. Vous avez des réflexions sur ça. Maintenant, pour parler, qui veulent avoir de la lisibilité pour comprendre mieux, monsieur le ministre, ça capte mieux, on est à l'esprit clairement que si le gouvernement mettait fin troisième période d'urgence, troisième décision d'état d'urgence le 20 juillet, n'a pas là. Et il y a des gens qui craignent tout que nous avons et insécurité alimentaire, et il y a des gens qui ont d'autres craintes et qui ont fait que la situation est difficile. Le parent a anticipé tout ça, monsieur le ministre, et l'invisibilité antigène difficile pour vous. Maintenant, nous allons mettre un dos sous ça. Deuxième aspect, promotion automatique là, nous allons mettre un dos sous lui, et l'IPAP empêchait, selon sa mentalité de certains mondes, dit que gagner étalement de cours que Timonio doit pour suivre en présentiel ou non, l'IPAP empêchait pour que des évaluations qui fait pour regarder compétences acquises. Mais pour sortir d'une situation exceptionnelle, ça, il faudrait cette mesure exceptionnelle. Une tonne de réflexion, ce n'est pas domaine nous, mais la guerre devant pour connaître finalement qui décision nous pensons qu'il y a plus juste et qu'il y a plus intelligent, monsieur le ministre. Décision qui a plus juste, plus intelligent, c'est arriver coûte que coûte, valider, consolider à l'ESA qui est déjà bouleversé depuis notre premier trimestre, t'as dit ça. Parce qu'il faut que vous clair, on est à le questionner n'importe vrai spécialiste en éducation. Quand réfléchir sur Haïtien avec système éducatif là, il n'y a pas besoin pour pouvoir aller ça, pour t'encourager vraiment ça, pour aller ça, promotion automatique, pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde qui est en 9e, allant secondaire 1, tout le monde qui est en bac, allant à l'université. On connaît très bien en tant que conseiller de carrière, comment jusqu'à présent l'école a fait en Haïti. Parce qu'on connaît l'État lui-même, les contrôler, bah, dans le réseau public là, en termes de bâti, en termes de bâti, l'État c'est près de 15%, et en termes de bâti toujours, et réseau privé, 45%. Ok? Bon, je dis à la, quand on a travail pour renforcer les inspections scolaires, depuis quelques temps là, mais on connaît que le système panouan, l'époque en une chambre, j'en prie vraiment. Donc, c'est un pile effort qu'il faut pour les médias. Donc, c'est ça que fait, le plan nous fait avoir, le scénario, et c'est ça qu'on nous fait, c'est un autre. Pardon, excusez-moi, un obstacle à promotion automatique là, c'est les examens d'État qui sont des évaluations qui sont incontournables. C'est pas seulement ça. Ok, qui c'est pas seulement ça. Mm-hmm. Parce que quand nous parlons de réseau privé, qui nous permet près de 45% et de l'école, et. Écoutez, le ministère lui-même, chaque année, toute école privée, nous avons voté, et le résultat fait d'année, il est banni. Même qu'on est, et vous-même, quand vous parlez de la vie, comme ça, très bien, qu'on sait de l'école en Haïti, même si vous n'avez pas identifié, vous voyez, côté, c'est qui peut à côté, vous passez. Donc, pas de contrôle, même là, on fait cette évaluation, c'est évaluation pas quand elle est ok, depuis tout le temps en Haïti. Et je dis à contrat de capter tout ça. Et c'est une raison fait que, et malheureusement, et ça de nous, question Covid là, c'est que on recrute à travers le pays, dans 10 départements, pour recruter des inspecteurs, pour renforcer l'inspection scolaire. Okay. Moi-même personnellement, et voilà, là, j'ai fait 20 ans à faire qu'on a l'école. Je n'ai pas jamais eu chance de un jour pour inspecter ma famille qui est en train. Je ne sais pas comment dans le goût là. C'est que notre système est tellement bien contrôlé, qui a des failles, ok? Et pendant longtemps, c'est un système qui était désuet,
Donc, on ne peut pas dire là pour dire que, au timon, il a été repêché avec au moins un grade inférieur à 3 pour la classe supérieure, et que son bat commun, qu'on a pour avoir un taquois pour timon ça, pour le courir monter. Donc, là, ça nous garde sur l'école de ça, tout simplement. Il y a un homme qui fait proposition ça, monsieur le ministre, c'est ancien ministre Nespi Maniga. Mais il y a une explication là, il n'y a pas simplement dit, fait timon passer dans la classe supérieure comme ça. Non, mais il dit, nous c'est un grand système éducatif éducatif à travers le monde qui gagnait 13 années de classe alors que toute l'autre il gagnait 12. Il expliquait, il soulignait, si nous avons fait si bon de monter en classe supérieure et dans les différentes classes, il y a des explications spécifiques pour eux, il dit, prochaine année que nous allons gagner pour rentrer, il y a des mises à jour, il y a bien pour faire pour eux, pour permettre que vous rattrapez, pour permettre que vous mettez à niveau pour avancer dans la classe supérieure. Évaluation des compétences acquises. Très sincèrement, c'est très malheureux, son ancien ministre de l'éducation qui fait une déclaration pareille. Très malheureusement. Parce que l'IPA gagné, d'abord, prochaine année académique, il va gagner là, qui fait la pièce, l'IPA a une année académique exceptionnelle tout. Parce qu'elle n'a pas ouvert un moment qu'elle devait ouvrir pour ne pas respecter le nombre de jours de classe et de cours normalement. Donc ça veut dire ça, ça veut dire qui ça. Là, nous connaissons que échec, ou bien on nous dit performance scolaire lui-même, lui dépend de. Nombre de temps d'apprentissage là. Donc, nous te disons clairement, et tout le monde connaît le pays, hein, n'était-ce pas première période, le pays l'offre de gagner sous la politique là, que ça n'est pas possible. Mais il faut que clairement dit que, avec question pays l'offre politiquement, qui devient obligé de faire l'école campée, qui n'a pas qu'à jouer droit éducation, yo, et de tout ça, il y a des répercussions sur toute décision qu'on prend. Okay. Et c'est ça que nous avons allé à là, sur le petit moment, ça que nous allé à là. Je dis à là, ce n'est pas question de l'État qui prend des décisions. Il faut bon partenariat et réseau public, réseau privé. C'est ça que fait nous-mêmes, pendant le ministère de l'Éducation nationale, nous mettons un peu en dalsmaillot, et je dis à là, avec renouvellement pour 2 mois et état d'urgence sanitaire, nous chitons sous 2 plans. Un plan A, un plan B, et nous ne pas dit pour nous imposer plan ça. Jusqu'à présent, je ne parle pas là, parce que nous, en août, septembre, nous allons imposer plan ça. Nous dit que, ben, nous avons fait une rencontre déjà et sur le dossier avec tout notre paquet de personnel d'éducation, syndicalistes, anciens ministres, anciens directeurs généraux, etc., directeurs d'école. Et bien, je dis à là, nous avons 2 plans à eux, et bien, nous dit que nous avons fait un calendrier pour nous discuter de 2 plans à eux avec tout partenaire qui est dans le système éducatif haïtien. Quand nous avons fait là, nous avons fait un groupe qui a 70 directeurs d'école là-dedans. Et tout le monde a osé dire telle école qui est très avisée, qui là dans le système, non, que tout le monde connaît performance, c'est yo il est à la côté, c'est collectif. Et directeur de l'école, ok, bon, il y a plusieurs bons noms qui vraiment dans le système, non, qui sont vraiment de vrais professionnels de l'éducation. Parce qu'on connaît même Javem que je dis à là, depuis quelques temps là en Haïti, question éducation, il presque yo veut faire ton business, on question d'affaires. Mais il faut que ça change. Il faut que c'est vrai professionnel de l'éducation. Qui vous fait éducation. Par exemple, même les wall faire ou garder dans le système dans cette passé longtemps. Moi, je n'ai pas le monde qui est dans le système qui a malade depuis longtemps, qui n'a pas gagné pour avoir des questions d'éducation. Pourtant, on donne quand même. Je dis à tout bagage pour nous éviter. Deux plans à l'homme d'Oulia, nous là pour discuter avec tout secteur, avec tout partenaire de l'éducation. Tant que parents, et même association LL, quand on est là dans tout, et syndicalisme, tout va discuter dessus. Non, tout le temps, là, monsieur le ministre, qui t'a pu souligner, nous sommes fait pour l'année académique, ça, 70 jours de classe. Un peu de monde est capable de sourire, parce que nous sommes dans la réalité, nous n'avons pas fait 70 jours de classe. Ça, là, nous considérons l'école qui était commencée en janvier, et auto souligné ça, janvier, février, et mars, il va le fermer le 19 mars, c'est ça qui t'a pu. C'est pour nous dépasser tout, c'est pour nous tout. Donc c'est monsieur le ministre, il y a pile d'écoles qui battent en ouvert en septembre. Lorsque le pays va le fermer. Notamment l'école publique, nous connaissons l'école publique qui a toujours gagné une à 2 semaines de retard par rapport à toute école privée qui a ouvert. Donc là, nous déjà connaissons que c'est sous papier. Et autant ouais, le calcul du ministère a fait 70 jours de classe qui étaient passés déjà, mais dans la réalité, il est loin pour attendre 70 jours là. Maintenant, on peut premier scénario à 3 août, où tu as rentré avec l'école, et nous avons qui difficulté en pilote école, en pilote pays qui a fait des confinements, la cap tourner avec et l'école, il y
gen la actuellement par rapport à COVID-19 là, gen un pays là qui déjà enregistré 70 timon qui infecté en dedans l'école là qui déjà fait prévision là pour refermer l'école là encore pour faire d'autres calculs et là encore ça pas le poser pour nous même pas le tourner parce que toi ou tu vas lui dire et virus ça il pas disparaître dans pays là et c'est ça fait tout au fond notre scénario le 3 septembre qui tout prend scénario 3 août ou 30 septembre pour ta ouvert et fermer l'école là qui tout prend le scénario 3 septembre ou 30 octobre pour ta ouvert scénario. Ça veut dire que nous parlons de gagner un système d'éducation, côté que si nous avons gagné, il parle totalement chambardé. Et si nous avons été respecté quantité de jours de classe, il parle pratiquement difficile, pour ne pas dire possible, pour nous retourner dans ce cycle normal que nous avons gagné, monsieur le ministre. Bon, nous avons retourné là-dedans facilement. Donc, la chambardé pour amener ça, avec pour prochaine année, qui est là, côté au moins, la prochaine année, on va dire en mois. Ça capable ça peut être un problème, c'est pas un problème, c'est seulement un nombre de jours de congé qui pas plein encore. Par exemple, une question de 2 mois et quelques de vacances et de vacances pas plein encore. Donc mais par exemple si et même quand même des possibilités pour une nouvelle école en janvier et là ça on capable normalement une possibilité pour faire l'école de 7 à 8 mois et normalement de tout quitter l'école en janvier dans le temps c'était 7 mois. Et donc, je dis à là, d'après tout expert qui a analysé le système éducatif, eh bien, 140 jours de classe est suffisant pour couvrir un année scolaire. OK? Pour couvrir un année scolaire. Bon, là, il y a plusieurs questions qui concernent, ils ont souligné pour nous gagner. Et l'école là qui a vraiment touché, qui a demandé par le pays venir, puis au touché, les mesures connaît, est-ce que le ministère a gagné intervention parle dans le niveau ça qui est complètement se parle ou qui a des positions pour le fixer dans le niveau ça? Non, nous sommes aussi clairs, déjà, mais pas oublier que nous pas vivre dans un état interventionniste. Ok, côté l'État capable de jouer au rôle régulateur. Mais j'aime bien ce scénario là, parce que nous n'avons pas le bon engagement avec l'école là pour l'année. Et on nous clair sur lui. Conseil de l'école, Covelle, Coupaville, qui fournit un service à tout. Conseil de l'école, en pire l'école, de septembre, arrivé jeudi à côté de la permission ça, qui n'a jamais suspendu à compagnie de tout, qui n'a jamais suspendu de tout en contact avec le professeur, qui n'a jamais suspendu à tout le voir qui ramassait, qui corrigeait, que ça va être carré, que ça va être résultat. Vous comprenez? Et maintenant, sans ça tout, quand on parle de retour à l'école là, conseil de l'école qui au même moment doit exempter, parce que l'école qui gagne chance, même il fait toute couleur en ligne qui n'est pas fait, et il gagne résultat, parce que les mêmes c'est seulement et résultat fait d'année la pote de la ministère. Donc dans l'école privée, vous comprenez? Donc l'école ça lui-même, ça fait une nouvelle. Donc on ne peut pas dire qu'on l'école comme ça, il n'y a pas de droit pour demander pour nous en payer, parce que le service qui fournit. Vous payez pour le service fourni. Mais on école qui n'a jamais fait rien du tout, donc on ne peut pas croire que l'école est capable de gagner une certaine décence pour la prendre par un pays. Donc mais si l'école là lui-même lui va en service, et au service on l'a il est même des cafels. Et on doit le cause de tout. Nous tout le monde là pour retour à l'école là. Donc parents qui étaient déjà payés pour pouvoir aller à l'école, lui ne peut pas le payer encore pour moi, ça n'a pas inscrit. Le bagage là, faut pas retour quand tu comprends une situation avec l'école, mais ça sont situation exceptionnelle. C'est pas ni l'État, ni les responsables de l'école, ni parents, etc. Pas aucun monde qui est responsable là, c'est un bagage qui vivait brusquement et tout le monde victime là-dedans. Ok, on va comprendre toute situation. De l'autre côté, monsieur le ministre, nous apprenons. Administration, tu as pris des décisions là, vous avez envoyé 2 lettres, une by Finance, une by BNC, pour demander de fermer le programme Psugoa. Vous avez explication à ça, c'est vrai? Ça parle en primeur pour tout auditeur Radio Magique. Parce que hier après-midi, m'a regardé sur les réseaux sociaux, nous avons 2 lettres. 1 lettre, nous avons par le conseil d'administration BNC, 1 lettre, nous avons par le ministère des Finances. Et l'être, ça n'a pas sorti dans le ministère de la nationale et de la réseau sociaux. Tu as sorti côté oui, mais on va pas exactement le côté. C'est parce que c'est 2 lettres qui signent trop panique en tant qu'administration de l'État. Et tu as nous c'est salé, depuis nous rentrons dans le ministère, nous avons commencé à combattre la corruption en tant que ministère qui a continué à combattre, mais on extra corruption tout. En tant que l'État. Moi-même, nous te comparer même de l'État mafia. Donc on sait pas qu'il y a capté en tant qu'il y a bon. Et moi-même, il faut dépasser, malheureusement, de frontières éducation nationale
pour mal poser des questions de côté côté bagarre fait. Qui ça va là exactement? Bon faut-il rappeler rapidement pour le période au programme l'école ça dans les psychos, télé de sous pied, on bagarre pour tabac, son bon programme, ok? Bien pensé. Malheureusement, yo un paquet de monde pour faire l'argent. Qui j'en fait l'argent? Des monde qui pas même l'école. Ligue contre lui, il y a des gros jeunes agents sous lui, comme s'il y a l'école. Quel autre monde même, il prend non l'école monde, et puis il va y avoir un coup de parole pour non l'école monde, il y a peut-être la vie pour lui. Donc, si on a des petits amis, on a des petits fonds. C'est quand pile position avec tout le monde d'accord. Et puis ça, je vous dis, depuis en 2016, ministre de l'Éducation qui est de l'environnement, professeur Jean-Bouvard Dasson, qui te comprend la réalité, ça tout, l'idée de mettre deux circulaires, quand on mettait fin à programme psycho pour question l'école privée. Cependant, nous toujours continuer à payer pour les enseignants, mon personnel, directeur d'école qui impliquait dans le psycho, qui a environ 8000 contrats dans ce sens-là. Maintenant, qui va venir passer exactement? Le moment en 2017 comme ministre, premier madame va le découvrir et par exemple, vous enquête. Qui gagne quelqu'un qui commande les menaces, tout ça, bah, la balle avance plus toujours. On joue mal faire bloquer l'envie au courant, le banque national crédit, un dossier qui compte à liste l'école la donne, avec des millions de gouttes qui ont touché, sans moi-même le ministère de l'Éducation nationale, je ne pas devoir y aller. On se ministère de l'Éducation qui pouvait le dossier pour payer. L'envie nous est comme ça, dans l'information qu'on joue, par le biais de un directeur de l'école qui est dans la Tibonite, qui vient faire me connaître que, mais il n'y a pas de vrai qui moun, qui est l'île dans l'État, qui dit que, là où je n'ai pas de sous compte lui, mais comme ça, la brèche 40% qui t'a poulé là-dedans, il faut le remettre. Il y a beaucoup de gens dans l'île. Les malmènes enquêtes, nous avons pile qu'à ça, immédiatement, nous avons écrit des MC pour nous dire, comme ça, pas de vous. Même quand on écrit des MC, là, ça, pour qu'on ait 24 ans, on équipe nous dans la rue à manifester pour dénoncer nous dire de demander bloquer quoi du travail de mettre sous côté. Donc c'est que d'abord, les réseaux, ça sont réseaux mafieux qui gagnent le pire nous là-dedans. Je veux dire encore plus ça, qui s'appelle une décision comme là. M'écrit deux lettres. M'écrit une par le ministère des Finances pour dire que je n'ai pas de l'école privée, dans le psycho, c'est enseignant de telle école personne n'a payé. Donc, nous disons, nous mettons même des MCL, tout compte qui est lié à Psycho, parce que l'être, c'est finance qui est envoyé à l'OMBNC pour me répéter tout le monde. Moi, je crois que j'ai des cas comme ça. Depuis 2016, 2017, jusqu'à présent, mon secrétaire d'école a continué à toucher l'argent, comme pas connu, mais mené à tout ça, et tout récemment, dans le département nord-ouest, au révélateur qui était étonné, Léon Mounouelé, mon ne pas comme ton chercheur, qui était ce qui fait le même offre-là. Qui dit le balle, mettons comme sous colis, mais comme ça, pour le séparer. Donc, maintenant qu'il y a des gens qui sont là, qui y a un travail qui est fait, le niveau finance, le niveau BNC, pour jouer qui côté d'avoir sa sortie, côté alimenter compte, on sait de l'école, sans ministère et éducation nationale, pas fait. Mais écrit en lettre par BNC, côté mandel, on dit le bagage à suspendre, mais écrit finance tout. Nous, droit de coïncidence, eh bien, même quand vous êtes là, même quand vous êtes côté Aléa, parce que le seul débat est là, monsieur le ministre, nous, quand ça n'a pas les devis, de combien d'argent, et est-ce que si, sous cas où elle là, ou bloqué, est-ce qu'on n'a pas gagné pour investiguer, pour regarder, est-ce que, gagné l'autre corps qui qu'on fait, ou ça, et combien qu'on oublié, Exactement, mais c'est ça qu'a fait Jodia là. Donc, qui fait, bon, nous, qui va faire, qui va contre la bourse, c'est bien fait. Qui nous va depuis qu'il l'est, et donc, parce que moi-même, depuis mon temps en 2017, bah, ça n'a pas fait du tout. Parce que depuis un homme, le ministre qui était là, mettait fin à programme SUCO. Et ça peut être tout jour et toute la nuit, on sait de mon cap pour la manifester, parce que une question qui mal, qui pas clair, une question qui va taper ma gueule, qui même le programme ça devient dénoncé, et puis qu'on voit que la magouille qui a continué sur lui toujours, en sous le même coup. Ça peut être de combien de millions de gouttes, si le million. Quel est le montant dans son bloqué là? C'est pas, nous pas bloqué. Donc, nous avons information que, quand l'école a continué à toucher, sous compte et psychologue,
pendant ce temps, nous connaissons depuis 2017, nous n'avons jamais vraiment débuté aucune école sur le psycho. Tout récemment, ça nous fait nous-mêmes, nous voyons au taquet l'école avec numéro de compte et personne morale, code l'école, et puis qui reconnaît par le ministère, le cas d'accompagnement, président de l'école, ça va pouvoir accompagner les projets vidéo, parce que nous 500 millions de codes qui viennent de l'émission d'affaires en haut. Et qu'on a 500 millions par vie encore, donc comme nous, nous avons fait l'argent. Donc, financer le code de la sous-compte et post-comptable, qui même qu'à faire dispatcher pour arriver à jouer des télécoles pour accompagner nous. Mais la question de psycho, pas de magasin du tout. Maintenant, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Parce que quelqu'un qui a un problème sur ça, non, net pour le BNCA, contrairement à ça, il y a petit pour faire des soulèvements et pour une décision, ça, c'est pas ça lié du tout. Donc c'est moun qui fait que touche qui peut, qui paniquait comme ça fait dans l'État. Je t'en fais qu'on est que, pendant que nous filmons des conversations que c'est l'argent pour sous compte de collions, nous tout demandons pour faire même. C'est pas ça, j'ai du tout. Je suis demandé compte qu'il y ait à psycho. Et nous-mêmes dit BNC que, dans l'être là, tout psycho moun qui dégoûte l'école, c'est le compte psycho à lui-même, c'est lui qui compte l'école par le tout. Libre conservé, il est capable d'entendre la BNC, il conserve. Mais nous disons, nous pas d'accord pour aucune argent sur le ministère des Finances. Sous notre psycho, pour aller mettre dans le BNC. Mais précision. 2017, bah, Chugoua, nous fermons par un virement. Maintenant, si vous découvrez qu'il y a un virement qui fait entre temps, combien de cobs qui virent entre temps? Bon, nous, bon. Première réponse à la question qui comprend. Là, nous avons découvert en 2017, là, c'était plus de 700 millions de gouttes qui n'ont pas déposé. OK? Mais malheureusement, on décrit, et ça se fait sous la isole. Même nous avons bloqué, il n'y a pas de déposé. Nous apprenons, nous nous prenons. Je dis là, c'est pas moi-même qui vais tout à l'heure. Il y a ce qu'il a pour ça, qui va mener l'enquête. Nous avons l'UNPC, nous voulons toujours, nous avons la justice, qui va mener toute enquête ça pour mettre tout le monde ça concerné. Il y a toutes les autres dans la côte. Mais nous ne savons pas vraiment combien vivre. Parce que nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas donner. Nous écrit pour nous venir tout donner ça, notamment l'incapable de 2016 à 2020. L'incapable long, mais nous avons commencé d'abord avec 2020 là, parce que nous n'avons rien qui nous devine, parce que nous devons tout ça pour nous joindre des informations. Mais si contre Hugo fermé, comment vous alimentez-le? Avec qui vous alimentez-le? Comme $50 et transfert? Non, il n'y a pas de téléphone. Non, on va parler de SME. Oui, comment alimenter contre Psygo? Bon, je dis à pas de Psygo encore, qui est pour 4, qui ont placé Psygo. Okay. Mais nous avons FNE, qui est Fonds National d'Éducation, et bien qui lui-même, les lois qui se créent là, il n'y a plus pas son terme de source de financement pour lui. Ok, mais ça, mon problème. Je dis à pendant la parler à là, c'est bon, mon petit précision là, somme châtia, mais pendant la parler à là, c'est tout la secrète avec question et appel international. Qui lui-même qui alimentait FNE, et je dis à la, sous l'hiver de FNE, bah, il va pouvoir des listes de la taille réalisée en termes de construction, de réhabilitation, de permanence d'enseignants de poste 4, oui. Environ 8 000. Mais oui. Comment on fait payer les gens sur un compte qui signe qui ferme pas crédité encore, que c'est plus gros? Non, compte pas fermé. Comment compliquer lui? Bon, bah, on est, ça va nous parler, on est. FNE sont institutions autonomes, ok? Mais FNE même pas des problèmes, tout le bagage financier, tout, même j'ai pour tout ministère, okay. Et tout fonds, c'est le financier, là, on a besoin de faire des réquisitions. Mais d'accord, ça, j'ai information pour nous sous ça. Oui, mais même nous, on a la cabine claire quand même, cabine claire d'un coup de coq, parce que nous sommes pistes, et faut pistes arriver loin pour l'État. On finit, monsieur le ministre, parce que nous avons le regret dépassé. Là, on souligne que. Je vais parler là, il y a des gens dans l'État qui est au plus haut niveau qui est impliqué là-dedans, puisque on souligne que Yorel est dédié à l'école, dit Balvin, tel quoi, pour que 40% pour le bail, etc. Et il y a des écoles qui étaient déjà touchées, mais comme si vous, lorsque c'est probablement dans valise pour qu'on touche à eux, ça, ils ont impliqué des gros babines dans l'État. Maintenant, nous parlons de l'idée de Lismoun qui déjà a préparé sur la justice, Lismoun qui déjà marié et pour voler l'État, et que nous gagnons qui est disponible à Rouna, monsieur le ministre. Bon, question de progressivité, pour qui ça? Je nous sommes tout à l'heure, nous faisons de nous découvrir ça, et ce n'est pas nous-mêmes qui allons commencer à Rouna. Donc c'est un stock concerné, tant pour l'ILCC, tant pour la justice. Et je dis à la première fois. Monsieur le ministre, il va se précipiter. Non, Psygo, c'est. Si nous sommes de Psygo, c'est 2013, 2014, 2015.
2016, monsieur. Depuis 2016, on est fait à lui-même. Oui, mais avant ça, j'étais là. Et nous avons volé là-dedans avant ça. Si vous comprenez, je vais vous expliquer là. Bon, malheureusement, depuis que les sortirines s'est pas dans tout pour une combattre, mais dans le présent, ça y est, malheureusement, on va pas faire des quelques arrestations qui sont faites, mais pas tellement pile. L'argent, la galette, l'argent, et la forme de corruption, ça a évolué dans le système. Oui. Pour faire ça, capable de faire dans l'État, je dis à la, nous nous suspectons qu'à partir des infices qui viennent de nous, et nous allons mener enquête, même quand nous avons une édition, comme nous ne pouvons pas de nous-mêmes, on t'en bien, ce sont des indices, même quand nous avons une édition, nous agissons immédiatement. Quand on écrit des essais, on écrit des finances. Et je dis à la, à partir de l'État, nous écrivons, même quand nous avons une édition, qui ont publié comme si pour un travail, comme si pour un soulever des mondes contre nous-mêmes, et nous partons pas dans ce travail, mais on a un contact, on a une lutte claire qui suscite. Donc, comme nous le disons là, c'est des indices que nous avons, et nous saisis, première instance qui concerne eux, qui se finance, et puis DNC, maintenant, deux instances concernées par eux, à partir de deux, nous étions malvenus. Parce que c'est sûr que tout le monde qui vivait sous tel compte succombe, de telle période à telle période, donc je les apprends tout en la BNC. Maintenant, nous allons dans tout le monde, nous allons mettre sous eux, nous allons dire qui est-ce pour dénégocier. Et puis, un peu de monde, un vrai l'État, et dehors l'État, pour commencer à la Merci beaucoup, monsieur le ministre. Quel est votre travail? Merci beaucoup.